Salut amigos, voilà aujourd'hui je pêche sur un nouveau spot, jamais pêché auparavant, et je vais faire en même temps un petit test. Donc je vais commencer avec du robinerette, un classique, et après j'essayerai, si je prends un poisson, avec une autre hêche qui est le Dumble Oozing Cheesy Garlic Fromage Eye de chez Sony Bait. Donc c'est des petits de 8 mm. Cassé, cassé à l'hameçon. C'est un beau ça. C'est un beau. Oh, les couleurs, magnifiques, hein. Se décrocher tout seul. Voilà, donc je l'ai pris au pelet robinerette de 12 mm. Voilà, premier poisson, un barbeau d'une septantaine de centimètres. Magnifique couleur, hein, couleur automnale, bronzé et nageoire orangée sont vraiment magnifiques. Voilà, j'ai pris mon premier barbeau avec robinerette. Donc comme annoncé, je vais maintenant essayer avec la dumbbell cheesy garlic de chez Sony Bait. Ce sont des dumbbells sointants, hein, donc ils créent un petit filet de petits nuages derrière, attractif. Ici c'est orange jaune le nuage. Voilà, donc je vais remplacer le robinerette par le dumbbell. Alors, c'est très facile parce que, vous voyez ici, j'ai un latex, j'ai mis un stop-pelé. Donc, quand j'enlève le stop-pelé et le robinerette, je me retrouve avec le latex qui me permet de changer d'hêche, une hêche qui n'a pas besoin de, évidemment, de stop-pelé, comme ceci. Donc, j'utilise l'écarteur. Toujours beaucoup plus facile. Je mets le petit dumbbell. Regardez comme il est bien sointant. Regardez mes doigts déjà, ils commencent à être jaunes, orangés. Et voilà. On
va voir. Voilà, donc j'utilise le gripper bait de chez Corum. Ici c'est à 60 grammes, donc l'intérêt évidemment de ce genre de plomb, c'est que ben, il permet de mettre de la nourriture, mais très peu, donc on peut mal de gaver le poisson, voilà. Vous voyez, j'écrase les pelets. Et on a comme ça de part et d'autre du plomb, voilà, et en très petite quantité. Qu'il n'y a pas beaucoup de poissons manifestement sur le coup, donc je vais essayer avec un feeder pour amener plus de pelets sur le coup et essayer d'attirer du poisson qui se trouve en aval. Hein. Je vais essayer près de l'autre berge, question qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de fond, à 2 mètres de la berge là, pour me rapprocher. Quoi. Là je suis à 3,50 m de la mer, je vais essayer encore plus près. Voilà les amigos, ben, j'aurais fait un barbeau, donc bon, je suis content hein, sur un nouveau spot. On ne sait jamais à quoi s'attendre, donc déjà en avoir fait un, en plus c'est un beau, donc voilà. Salut amigos, voilà, ça fait maintenant 1 heure que je pêche et je viens de me rendre compte seulement maintenant que je n'avais pas allumé cette caméra. Entre temps, j'ai pris sur ce nouveau spot 3 poissons, une carpe, une belle carpe, hein, près de 5 kg, un schwen et un petit barbeau. Donc j'ai quand même pu les filmer avec cette caméra, ben, je vais vous les présenter. Avec celle-ci, je n'ai que ça comme prise de vue, je suis désolé, voilà. Ouais, c'est pas un barbeau, je viens de le voir, c'est une carpe. Je pense que c'est une cuir. Pas une commune, on dirait. Je l'aperçois. Pas beaucoup d'eau hein, ici. Hop, voilà. Pas évident. Voilà. Prise au robinet. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Sans ardillon, c'est vraiment facile. Hein. Ouais, c'est une belle. Voilà, une carpe pas loin des 5 kilos en tout cas. Une belle cuir, magnifique couleur.
Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Ah, ce serait courbé à petit barbeau. Yes, un barbeau. Voilà, comme je vous l'expliquais, je suis sur un nouveau spot, jamais pêché auparavant. J'ai pris mes poissons sur une petite demi-heure. Après, je n'ai plus la moindre touche. Donc, est-ce qu'il n'y avait que ça presque à prendre ici, j'en sais rien. Mais j'étais bien parti, et j'attends toujours la quatrième touche. On va encore un petit peu insister, on verra bien. Mes amigos, ça fait une heure et demie que je pêche. J'attends toujours ma quatrième touche. Je pense que j'ai fait les trois poissons qu'il y avait à prendre sur ce spot, on dirait. Trois touches, trois poissons, du 100%, voilà. Mais moi, je vais m'arrêter là. Donc moi, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura bien plu, malgré le fait que j'ai pas pu filmer les touches, hein, notamment. Désolé. En tout cas, j'espère vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker. Portez-vous bien. Bye.